On est là. Regardez la paix là, je veux dire, c'est mercredi. Mercredi 24 janvier 2024, mes amis. Moi, qui est allé là sous nous, là. Moi, avant de battre, moi, aller. Nous avons son plaisir quand même avec nous encore une fois, je dis encore, dans Washington DC. Et pas gain tout ça qui a dominé l'actualité assez surtout, par exemple. C'est les élections aux États-Unis, élection primaire et parti républicain. Donc, c'est la première élection primaire parti républicain qui se déroule dans New Hampshire. Une élection que l'ancien président Donald Trump a remporté devant proche rival Lee, n'a pas été ancien gouverneur État Caroline du Sud là et ancien ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, Nikki Haley. En tout cas, dans la déclaration, il a semblé que l'ancien président Donald Trump a pu s'abgarder l'élection novembre, 5 novembre 2024, là, au lieu que l'abgarder reste l'élection primaire avec caucus qui était assez quoi que les partis favoris pour remporter l'élection sérieuse devant rival Lee, mais madame ancien gouverneur de Caroline du Sud, là, Nikki Haley, il dit que. C'est bah, tête droite, il ne va pas camper. La continuer jusqu'à ce que peut-être que bon côté que le cas va briver, très certainement. Si un président remporte la quantité déléguée nécessaire pour remporter la nomination et parti à la convention nationale là, et bien bon, et peut-être qu'il va camper. Mais pour qu'on ait dit que il y a un pile bail qui était pour faire encore et prochaine étape là, prochaine convention, ou bien prochain. Élection primaire parle de la caille, de la sous propre terrain, parle côté d'espérer que le travail fait belle figure devant et candidat ou bien encore devant ses président Donald Trump. Parce que on défait la caille, ça va le dire en pile, ça va pas le dire en pile pour lui-même et pour le monde qui a supporté du tout. Donc, tête droite, je dis à les parlementaires de campagne, la campagne a commencé déjà dans Caroline du Sud, côté que les deux concurrents, ils ont commencé à investir dans la publicité pour convaincre ou bien encore pour et encourager les électeurs républicains à voter en faveur. À voter en faveur d'une ou bien l'autre. Donc, c'est un dossier que nous continuons à suivre pour vous. Et pour quand la partie démocrate là, qui partent dans l'élection primaire, officiellement, qui partent dans l'élection primaire et New Hampshire, mais quand même, ça va empêcher que les démocrates aient voté, ça va dire qu'ils ont voté même dans son vote qui fait. Même là, officiellement, au panneau, scrutin, mais. Supporter, il doit écrire non, papier, et puis il vote en faveur. Donc, il est assemblé que c'est le président sortant, on a parlé de Joe Biden qui a emporté, parti ça devant deux de leurs concurrents, parce que les démocrates, là, il y a deux concurrents en face, il y a Dean Phillips, qui est un congressman, donc un député démocrate, qui est dans le congrès avec une dame, qui est même tout, après, mais pour le président Joe Biden, il dit que. Candidature de compétiteur Sao, de rival Sao, pas fait ni chaud ni fouet. Donc, ça, le Parti démocrate a fait officiellement. Le Parti démocrate a organisé la première élection primaire officielle et l'a fait lui-même dans Caroline du Sud. Les gens qui étaient habitués à faire dans Caroline du Sud et New Hampshire, ils étaient habitués à faire ça là, mais. Pour une raison quelconque, ils ont décidé qu'ils n'ont pas fait là encore parce qu'ils ont dit. Et, pas assez de diversité dans New Hampshire, tu crois que dans Caroline du Sud il y a plus de diversité, etc. Race différente, etc. Donc je choisis de faire là même, mais ça va faire mon démocrate New Hampshire plaisir, mais il dit que officiellement il a fait première élection primaire là, dans New Hampshire. Voilà. Et puis sur plan international, il y a Israël, conflit israélo. Israël ou Hamas là, le conflit ça l'a continué pendant que sous côté ou bien parallèlement gagne Égypte, les États-Unis avec Qatar qui continue à négocier plus ouais sur la région cessez-le-feu entre belligérants et Israël fait une proposition qu'on y a et pour le taf on campe sur guerre pendant 2 mois à condition que Hamas libère toutes otages qui n'amènent
qui contrat avec la proposition que Hamas a fait lui-même. Mais tout, Israël tout a demandé pour que l'idée Hamas qui est dans le territoire Gaza peut quitter le territoire totalement. Il n'a pas semblé que Hamas est d'accord avec ça. Mais entre-temps, il y a une délégation et Hamas qui vient en Égypte dans le cadre de négociations qui va faire gagner un envoi spécial. Et c'est l'agence d'espionnage Israël là, qui, dans la négociation, et puis les États-Unis, ils ont envoyé spécial tout pour participer dans la négociation. Tout. Donc, son dossier n'a pas su pour, mais ça va empêcher en fait que Israël continue à pilonner, nous avons dit, territoire Gaza, côté chiffre, quand c'est monde qui mourent déjà dépassé 25 000, et parmi les gens qui ont pile, c'est Timon avec. Oui, Nek Bessapio, m'a parlé de Nek Bessapio. Il y a un petit monde avec femme qui mourit dans l'attaque ça. Et puis, et là aussi, l'Ukraine responsable accident d'un avion qui fait, il dit que les passagers qui étaient à bord d'avion, c'était des prisonniers de guerre iraniens et ukrainiens. Et l'accident arrive exactement sur frontière et sur frontière Ukraine avec la Russie. Donc l'Iran est responsable et l'accident ça qui arrive là. Et côté là-dedans, les passagers qui étaient là, c'était le monde qui était transféré. Ou là-dedans, c'était les prisonniers et ukrainiens qui étaient dans l'avion. Donc c'est comme ça, ça est pour qu'on est là. Dans notre grand programme de l'actualité, parce que nous avons parlé dans et pays d'Haïti. Pour nous parler surtout de ce qui s'est passé là, il y a M. Bessapio. Nous appelons M. Bessapio, c'est le groupe qui défend protection, question environnement. Et bien, M. Sander, président sur la frontière et d'Abon avec Haïti, nous en voilà maintenant. Le monsieur pendant a fait canal là et bien groupe Bessap là qu'on est là il a semblé que qui est en tête yon ancien responsable on t'a dit ancien responsable là parce que le gouvernement soutient des décret pour révoquer monsieur et bien décret ça qui révoqué et qu'on a formé un comité pour gérer et gérer agence ça là dans gain police gain militaire tout et gain membre de société civile qui fait partie du comité ici là. Eh bien, et monsieur Ogele, hier tout, il a débarqué dans la ville Hench, côté il a fermé un bureau, et plusieurs bureaux d'État, il a même mis quatre dans la dalle, alors il a un côté, il a un centre de bureau et administratif, un centre de bureau administratif, côté tout bureau, presque tout bureau d'État, il a réuni un seul côté, et bien monsieur a débarqué là, il a fermé, et puis il a pas attiré personne, il a seulement dit, moi, prends valise, non, pointe, tout bas, non, allez faire autant, et puis patronner là, tant l'ordre jusqu'à ce que nous va. Je dis que désormais, la ferme jusqu'à nouvel ordre, et en plus, question t'a posé côté présidentiel, la débattre des grandes manifestations dans le village, tout. Et manifestation, ça, c'est une manifestation contre le gouvernement en place là. Et bien, c'est dans même manifestation, pendant la manifestation, ça, je me suis rentré, et yo fermé, et yo demandé de ne pas retourner encore pour en tout à fait nous aller. Et au cadenasser bureau pour ne pas venir. Donc on dossier capsule parce que le gouvernement sorti un décret tout côté il met sous pied il évoque responsable agence nationale air protégée il évoque lui et puis il met un comité de gestion qui pour gérer lui en attendant qu'on ça l'a fait. Mais monsieur ça yo et d'après ça mon dit que monsieur Amé monsieur Greg gros âme dans tête yo nan main yo et ça pas longtemps groupe ça te même dit que t'a supporté ancien rebelle ancien leader rebelle Guy Philippe et ancien tout et sénateur élu grand sang Guy Philippe et dit même yo t'a supporté et fort que monsieur et fort monsieur a fait pour lui capoter ou encore pour capoter le gouvernement. Donc, il y a une manifestation qui a donné un peu partout en Haïti actuellement contre le gouvernement et qui a demandé pour le premier ministre Henri aller avant ou le 7 février et même des communautés internationales là pour venir chercher le premier ministre. Puis bonheur que grand matin, sinon il n'y a pas responsable, ça ne va pas passer. Donc, il y a un sentiment, il y a un mouvement de campagne, même là que le gouvernement ne parle pas tout, qui a manifesté tout, mais il y a un sentiment quand même, une manifestation qui a déroulé tout contre le premier ministre. Et puis,
ancien président de la Chambre des députés, il a parlé de Charles Chancy, qui était dans. Et que juge dimanche, il mettait en dépôt, et bien monsieur transféré, sorti dans Pétionville, dans prison, dans le commissariat à Pétionville, là, mais oui, monsieur actuellement, dans pénitencier national. Il y a des paroles qui ont parlé, il y a pour demander et juge enquêteur qui a parlé sous dossier. Et équipement et CNEO pour assurer qu'elle fait tout ça l'affaire bien pour que pas vivre contre lui parce qu'il faut le faire de façon pour que la population bénéficie de décisions que la preuve là et mais assurer qu'elle prend bonne décision pour ne pas faire rien qui est tagué pour comme revanche ou bien pour avec bah, pas de la prison mais font bagaille et par exemple une organisation même qui même bah, bravo pour et pour façon monsieur aborder le dossier et pour que chance monsieur prend pour faire ça l'affaire. Donc, et, monsieur Gentel, qu'on y a désormais, il n'est pas responsable encore dans l'Agence nationale Air Protégée, il n'est pas responsable au gouvernement, mettez monsieur à terre. Et mais monsieur Kelleguin, toujours une solidarité, ou bien toujours avec lui. Et groupe Bessapla qui semblait armé, qui a des armes dans mes autos, et ça qui était passé, il a semblé que monsieur était présent dans mon moment là. Donc, et, dossier qui l'ouvre encore pour nous connaître qui j'en parle après aller, parce que c'est le jour en jour, là, et puis monsieur Negameo, qui est dans un matisse, monsieur qui a été visité, c'est l'hôpital université Adventiste qui est dans l'école qui est dans la zone Fontanara. Et bien, j'ai visité la zone, non, il y a des gens qui font comprendre que c'était contre l'État, pas contre la zone, mais l'autre nouvelle qui vient, sont l'autre cause que lié. Mais au moins, monsieur, fait sentir présent sur plus qu'on y a dans la zone et Matissan, et qu'on est remonté un petit peu dans Fontamara. Et très certainement, il y a déjà occupé une partie dans la sortie sud capitale là, n'a pas dans la zone. Deuxième partie dans la sortie sud capitale, dans la zone Mayani, où les messieurs contrôlés et jusqu'à présent, la police pas arrivée, mettait au dehors et son enclave, un petit passage, son corridor qui débouchait sur le département, et bien monsieur contrôle les zones ça, à côté que même la police semblait qu'il y ait interdit de passer dans la zone là parce que et monsieur Guélé, des fois, il fait une violence dans la zone. Il y a même problème de poser dans le nord. Non, sorti dans la capitale là et partir à ce pour poser tout dans sortie l'est, ça va être dans l'ouest 2, dans la zone de Kalebouquet, côté groupe 400 Marozas censé, et à contrôler les zones. Donc ça veut dire pour prendre son Jean Tranglé, monsieur Tranglé, la capitale là, côté que Séné, tout à l'entour de la capitale là, il a occupé toute la zone. C'est la situation et puis manifestation dans la ville de Jérémy, il y a un gros coup même dans la ville de Jérémy même. Côté l'école est oublié fermée, la population est courue parce que et pour les gens qui ont protesté ou manifesté contre le gouvernement, c'est la même situation tout dans la ville de Okaï. Côté les gens qui ont été tournés sur l'actualité internationale, il y a l'OTAN qui actuellement et passé en fait, passé en commande. Munitions pour l'Ukraine, parce que les États-Unis disent qu'il n'y a là, il n'y a pas de l'argent pour l'Ukraine, qu'il n'y a là, et pour supporter la guerre ukrainienne contre la Russie, il n'y a pas de pour lâcher les munitions, etc. Donc, ministre de défense états-unien, et lors de s'en demander pour que la communauté internationale là, ou bien l'autre pays amis, pour y être coller, pour y supporter, et l'Ukraine en attendant que les États-Unis, ou bien le Congrès a encore voté pour bail. Et gouvernement à l'argent pour les supporter et guerre Ukraine a mené contre la Russie. Et puis, seulement attention, nous sommes fixés surtout sur l'élection primaire aux États-Unis qui a marché, qui parle de parler, qui a regardé ça pour passer dans la Caroline du Sud. Et c'est base d'un candidat, on a parlé de gouverneur d'État, ancien gouverneur Caroline du Sud, Nikki Haley, qui est candidat, qui s'est peut-être qui ont été rapproché, fermé, vide qui existait entre les mêmes et corps qui existait entre les mêmes avec l'ancien président Donald Trump qui est censé amener sérieusement dans l'intention de voiture.
Donc, dit Jean Rédier car là, mais il ne disait pas ça parce qu'il disait lui-même ça pour finir. Il a continué toujours jusqu'à ce qu'il rejoigne et Bout, ancien président, qui lui-même déjà créé la victoire pour toute leur prochaine élection qui vient. Ben, c'est vrai, ça fait partie campagne électorale. Mais il dit que voir, quand il voit que l'ancien gouverneur a remporté dans New Hampshire, principalement, et c'est grâce à support des jeunes de bon côté et électeurs indépendants qui monsieur même dit que l'électeur indépendant, ce n'est pas un électeur indépendant, oui, c'est des démocrates qui battent qu'à voter, donc qui votent pour Nikki Haley pour essayer de permettre l'ancien président de la retirer dans ça, M. Tour dans ça. Par rapport à ça, ça va empêcher que le conseiller après fasse tout avec le problème de la justice. Il y a un affaire de témoignage qu'on lui fait devant le tribunal dans New York qui t'a de fait jeudi d'après ça, le juge l'a été reporté parce qu'il y a quelques deux membres ou bien un ou deux membres dans le jury qui a un problème de santé. Donc jeudi et pour ça de continuer justement pour qu'on ait une quantité de corps que l'a bien pour payer au prochain diffamation, que l'a bien pour payer dame ça qui a signé là. Donc mais entre temps, tout ça va empêcher que. Et ancien président a mené campagne normalement et il a toujours été un favori parmi les républicains pour représenter le parti dans l'élection présidentielle novembre, 5 novembre 2024. Il y a encore, et puis il y a tout qui a fait Freddy, et puis l'autorité immigration américaine, et nous ne pouvons pas oublier nos amis, mais l'autorité immigration américaine déportée. Et 130 Guatemala qui est mis par un groupe immigrants qui a cherché à entrer sur l'Ancien illégalement ou qui vient d'asile qui n'a pas accordé. Et c'est immigrants Salvador, Venezuela et puis Colombiens. Et bien, le groupe Guatemala qui a retourné à Guatemala City, ça a passé hier, en bon avion privé, en vol privé. Et puis, gagné un dossier Mexique continue à travailler avec les États-Unis. Pour y avoir dans quelle mesure capable de diminuer les tensions qui existent sur la frontière du pays, avec présence d'immigrants. Mais le ministre des Affaires étrangères mexicain, Alicia Bárcena, a déclaré que, et dans le cadre de l'État avec Washington, avec une autorité américaine, une place américaine parmi eux, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, avec le ministre et le secrétaire d'État américain, Alejandro Mayorkas, eh bien, et il était abouti avec une conclusion comme quoi il était justement permettre que les immigrants qui au Mexique qui besoin et pour capable toujours continuer et remplir application CBP on a pour demander d'asile sur frontière et puis pour demander tout et permettre que ces trois grands points ces jeunes ils ont encore sous 10 points importants sont affaires des armes qui ont sur les États-Unis qui au Mexique donc ils ont informé les États-Unis sur affaires sous base là parce que c'est le ministère de la Défense états-unien qui occupe les questions c'est là maintenant sur côté immigration d'abord permettre que les immigrants aillent rentrer sous frontière et faire remplir l'application pour rentrer aux États-Unis venir demander asile avant venir sur frontière demander asile donc prolonger le programme ça pour continuer parce qu'il y a un pile d'immigrants qui sont sur les frontières captantes et puis créer un moyen légal pour permettre immigrants rentrer aux États-Unis de façon légale et puis créer tout ça que chercher qu'on est racine problème immigration raison que fait immigrants à court quitter pays d'ailleurs dit que c'est violence problème économique violence pour l'économie avec justement et l'autre difficulté que y a gain qui fait que peut-être de choisir puis venir aux États-Unis pour venir chercher la vie meilleure donc et, ça c'est ça que ils cherchent qu'on est mais tout qu'on y a États-Unis dit lui-même c'est la on sent ça a créé un moyen légal pour les immigrants venir mais tout appliquer la loi contre les gens qui violent la loi sur l'immigration. C'est-à-dire que tout le monde qui vit sur la frontière, qui vient sans pas de rendez-vous, qui vient demander asile, eh bien, appliquer la loi contre les gens, cérébral de les gens, pour voir retourner côté dans le pays d'origine, côté de sortie. Et c'est ça qui passe dans la quantité. Et Mexique, on a Guatemala qui retourne la caillou déjà. Et bien, qu'on a acheté tout par les États-Unis, on retourne. Mais c'est même pas là qui est fait.
pour, parce que la relation entre les États-Unis avec le Venezuela a amélioré. Donc, les États-Unis déportés et les Vénézuéliens qui n'ont pas accordé asile, ils veulent retourner à la carrière, comme ils font tout pour les citoyens de leur pays, et que ce soit ça haïtien, que ce soit ces. Et nous ne sommes pas cubains, mais nous avons fait pour colombiens, nous fait pour les pays sahéliens, nous avons retourné à la carrière depuis le parc d'Oisier, mais c'est un processus de déportation qui fait rapidement pour que nous mettons dehors. Et en parlant de ça, il y a un groupe officiel et américain, élu américain dans l'État Montgomery, tout près de nous, là, qui est dans l'État Maryland. Et officiel, ça a été écrit à l'administration dernièrement là pour demander pour l'été fond campé. Pour te soulager les immigrants haïtiens qui sont sous liste de déportation. Les immigrants haïtiens qui sont venus aux États-Unis, qui ont demandé asile, qui n'ont pas gagné asile, ou bien que ou bien étant devant le juge, je n'ai pas eu asile là, mais ils ont été sous liste de déportation. Et bien, ils ont demandé pour que l'administration fasse un camp sur le monde, pour qu'on un répit, de façon pour capable, en attendant que la situation politique dans le pays d'Haïti résoudre. Et donc, nous avons qui pense que l'administration en principe, bye, n'a pas de parler avec Gerline Joseph sur question si là, qui était certainement qui était dans parmi les délégations qui était venu dans la maison dernièrement et qui était rencontré avec l'autorité américaine pour discuter et qui était une organisation qui était signée. Laisse ça retirer par l'administration, pour demander fonds campés sur le processus de déportation haïtien. Et voilà, vous voyez ça. Et mais je dis, alors, nous avons un bon programme, et puis c'est mon maps à lui. Nous avons tout et presque pratiquement correspondant, presque tout correspondant en Haïti et aux États-Unis, au Miami, Floride, côté absolu. Gros séminaire, gros séminaire, côté absolu, un gros séminaire, et que c'est ce qu'elle a organisé du concert avec l'ambassade américaine au Port-au-Prince. Justement, sous façon pour protéger tête, comment pour couvrir le reportage, comment pour améliorer la façon pour couvrir tout, manifestation, tout, que ce soit manifestation violente qui vient pour eux même d'abord pour protéger tête. Je veux donc parler de Renan Toussaint, on parle de Mathias Deauville-May, on parle de Zamine dans Nord-Est Jodelet, bientôt Emmanuel, pratiquement. Camarade Caplato, tout le monde dehors d'être au carré que il y a des nouvelles, nous pas fini tout bail qui a passé votre presse, ils ont acteur principal parmi eux cap fouillé dans la capitale ou bien ça qui a passé dans un an, mais ils ont pas là, ils ont aux États-Unis et c'est pour bien eux, c'est pour bien pas nous tout, parce que plus ils performent plus bien, plus ils ont plus connaissance, c'est plus bon la plus bon pour nous mêmes capoter une nouvelle abandon et c'est plus bon la plus bonne pour eux-mêmes tout cap gain une meilleure façon une meilleure vision sous façon pour regarder et que sur un monde qui a fait nouvelle pour reconnaître un monde qui a parlé avec eux qui les un monde avec exploiteur qui les un besoin exploiteur et monde tout bon intérêt dans haut même là monde à bord blague la parole ils ont intérêt parce qu'on va capable faire pour lui mais pour chercher identifier ça et puis éviter ça les conflits d'intérêts qui ont pour eux et éviter que ou pas dans ces trois collés à mon cap bon information ou pas trois collés avec pour pas avoir un sentiment tout. Donc tout bas ça c'est des bails que monsieur par la prendre là et chez service central en bas de Miami tout et pour justement pour te coller dans le travail non seulement des bails pratiques qu'a fait sur le terrain mais des bails tout et l'autre bail tout sous comportement attitude qu'on va bien tout dans situation là ils vont côté et on va passer qui sont même capables éviter qu'on pas fait partie là même là on pas encore éviter qu'on pas en acte ou même gens qui pas victime de ça qui passe. Donc voilà monsieur, c'était bienvenue Washington dans suite d'après Washington mais monsieur qui est pas venu Washington il peut vous dire donc monsieur a prêté en Floride et très certainement nous va avoir une grande différence qui est le monsieur retourner sous terre. En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas cité. Si on n'a pas cité, il n'y a pas d'esprit de faire, non. En tout cas, ça passe. Parce que même nous, comme ça, quelques noms qui passent avec moi. Mais toute équipe là sur place, et là, on m'a mis à côté pour l'information. Donc, on va voir ça. Merci un peu tout le monde. Salut tout le monde. Nous allons passer un bon après-midi. Moi, je veux dire, on va parler de l'immigration surtout. Et l'immigration de ça passe exactement
dans sa capacité sous frontière États-Unis. Et j'ai fait qu'à fait qu'on y a pour le Mexique, sorti pour les États-Unis, diminuer la tension, pression qui a bien sur agent frontalier avec quantité de migrants qui a privé sur la frontière chaque jour. Et donc, le Mexique dit la font une fois pour contrôler le flot immigrants qui viennent, mais il y a des conditions et il faut travailler avec il faut travailler avec les États-Unis sur la question de ça pour qu'on ait qui vient pour aider et résoudre le problème. Parce que le Mexique est un port d'entrée, c'est là que tout immigrant qui fait route là, c'est là où passer pour arriver sur la frontière. Ils arrivent dans 9, dans tout 8 ou 9 ports d'entrée qui viennent aux États-Unis, sur toute ligne frontalière que les États-Unis ont partagée avec le Mexique. Et bien, c'est là que vous demandez l'asile. Donc, Mexique, après, qu'est-ce qu'il y a à faire pour aider les États-Unis? Et les États-Unis ne pas cacher ça tout pour dire que nous avons un problème et c'est le monde qui est capable de nous, c'est voisin, nous, Mexique. Ils ont passé bon après-midi, n'a pas encore et n'a pas demain encore. OK? Bye bye tout le monde.